Le crat rayon X. Non, le crat coucou hibou. Tu me vois plus. Eh, hey, mais c'est dans Astérix et Obélix, ça. Ouais. Bon, on a un peu trop d'idées de nom pour la vidéo, on fait quoi? On tape et on voit après. Allez. Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui dans cette vidéo, on va jouer un crat rayon X. Alors pourquoi rayon X? Parce que sa condition de victoire n'a pas besoin de ligne de vue. Plus précisément, on va jouer avec la flèche de jugement qui tape extrêmement fort si le crat n'a pas utilisé de PM. Et franchement, les dégâts sont monstrueux. Parce que du stuff, on a donc tout mis dans la force. Notre but, c'est de faire des dégâts et de tuer l'adversaire avant qu'il arrive à notre contact et qu'il puisse nous infliger des dégâts. Allez, trêve de blabla! Passons au combat, un petit pouce bleu, un petit abonnement, c'est très important cette fin d'année, merci beaucoup à tous ceux qui y penseront. Et on passe directement pour les combats. Salut YouTube, on est contre une drago d'Inde. Waouh, ça fait plaisir, hein. Ça arrive rarement, on tombe contre des... Alors je sais pas pourquoi, quand je gagne des matchs, je tombe sur des gens qui ont moins de résistance. Quand je perds des matchs, les gens augmentent en résistance et en stuff. Il ne faut pas chercher, d'accord? Parfois ça arrive, parfois c'est comme ça que la vie se passe et se déroule. Il faut faire avec. Alors j'ai juste peur que les cas me cassent la gueule, mais vraiment ils me fracassent. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire, on va éviter... J'aimerais éviter qu'ils viennent me tabasser au corps à corps en fait. C'est ce qui me fait un petit peu peur. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Comment je peux choper le monsieur là? Ah, j'ai la ligne de vue ici, hein. Je pourrais lui mettre une petite patate ou lui retirer un peu de PM. Non, c'est bien, vas-y, on va faire ça. Je vais me donner des trucs, hein. Voilà, on va se booster à max. Et on va juste lui retirer des PM. Ça peut l'empêcher de venir, là on a plein de lignes de vue disponibles, voilà, moins 2 PM. C'est pas l'objectif! Fais gaffe, je crois que t'as pas mis de résistance. Oh, j'ai envie de lui retourner le compliment, mais lui donne pas 2 PM la roulette! Je veux lui retourner le compliment, moi! Je veux lui retourner le compliment, il a dit je crois que t'as pas mis de résistance, je veux le karma, pourquoi? Je veux le karma, je veux le karma! Allez, allez, le karma les amis, vas-y, va miaouche. Allez, 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 je veux le karma là. Attends, je veux dire... Oh, l'arrogance. Toi non plus, je crois. Toi non plus, je crois. Allez, c'est parti, c'est moins 1400. Allez, mon pote. Et c'est le moins 1400. Le karma, frérot. C'est le karma, là, qui te parle, en fait. C'est le karma. Oui, mais je vais gagner quand même. Ah. Bonne soirée, alors. Bonne soirée, alors. Ou pas. Yes! C'est la game du karma, les amis! C'est la game du karma! Et pour une fois que le karma il me touche pas à moi, quel plaisir! Je suis trop content. Vraiment, il y a peu de satisfaction comme ça, mais j'avoue que là, c'est la satisfaction, quoi. Je crois que t'as oublié de mettre de résistance, je crois. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux! Qu'est-ce que je suis heureux, bordel! Et ça arrive pas souvent, YouTube, hein. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est tout con, mais... ça peut aider, hein. Ces combats-là, c'est extrêmement rare, hein. Il faut que je me batte, hein, pour les avoir. Mais quoi, quel plaisir. On est contre un Yop. Le Yop qui a combien de résistance? 26%, ça va, ça va, ça va. Par contre, 4700 points de vie de base avec une vitalité, le Yop va avoir pas mal d'HP, je vais pas vous le cacher. Mais bon, c'est pas grave, il a l'air de vouloir jouer sur la distance. Et moi, la distance, mon cra, il adore ça, y a pas de souci. La flèche de jugement, je pense que... Regardez, je vais me barrer. On espère juste qu'il va nous foncer dessus. Donc, Je pense que c'est important de faire tout ça. On va se barrer, on va tir critique, on a besoin de crit. Si on peut crit sur les bouches, j'avoue que je suis assez content. Surtout tir puissant, yes. Petite maîtrise d'armes aussi, on se met bien. On n'a pas de Dofus turquoise, hein, si je me trompe pas, hein. Je veux juste vérifier. Non, on n'a pas de Dofus turquoise. Pas besoin de lancer de sorts supplémentaires pour booster des pourcentages. Je vais pas par contre reculer plus parce qu'il faut quand même que le gars avance. Et sur un malentendu, il va se mettre dans ces cases-là. J'aurais pas besoin de mettre une acuité absolue. Sur un malentendu. Déjà, il joue puissance. Donc il va forcément venir, et là, la cuite absolue, donc le jugement qui va pouvoir être mis, le jugement dernier, et un sacré jugement les gars, parce que la flèche empoisonnée elle va aussi être mise. Les dégâts ils vont être colossaux là sur ce Yop, et ça fait trop plaisir. T'es derrière un mur mais j'en ai rien à faire, hein. Cette classe elle est complètement fumée, je suis désolé, par contre il est à la casse près, heureusement. On a de la chance, c'est le moins 1000, allez hop, un petit crit s'il te plaît. Ah, moins 1500 crit, hein. Moins 1500 crit sur du 26%. On a mis la petite flèche empoisonnée qui n'a pas crit. On a crit sur aucun des sorts. Je suis dévasté. On est quand même bon, à 46%. J'avoue, on est à 46% et 46%. Mais bon, une chance sur 2-3 fois. Et aucun crit. On met du moins 610 sans compter nos 2 crits. Et on en a avec la panoplie de Wulan. Donc on aurait pu mettre bien plus de dégâts.
Le Yop doit forcément bon, hein, c'est important pour lui de venir sur notre contact. Et c'est là qu'on va montrer un peu notre côté glace canon. C'est que le Yop, il est obligé de s'avancer, de se prendre une représaille, donc d'être dans ma ligne de vue, et donc de mourir. Voilà, malgré ses points de vie, malgré tout ce qui est possible. Bon après, on se prend du 1400 avec le coup de cac, hein, je vais pas vous le cacher, je suis pas... Est-ce que je suis rassuré? La réponse est sûrement pas. Mais, en tout cas... Pour l'instant, ça se passe. On va mettre une représaille, c'est assez important. On va le repousser, c'est également assez important. Et ensuite, je vais me mettre à deux cases là-bas. Je pense que c'est bien. J'aurais pu l'érosif d'abord, mais en vrai, on s'en fout. Hein. C'est vrai que j'ai fait mon tour un peu rapidement. Là, je suis logiquement bien. L'épée d'Yop ne passe pas. Le coup de cac ne passe pas. Et nous, notre jugement, elle passe. Même si jamais il met une vitalité, logiquement, la fin est au bout du chemin. On l'espère en tout cas. 2700 points de vie à faire, ça reste quand même beaucoup. Mais à tout moment, ok, ça va, il ne bloque pas la ligne de vue, Clacawatt. Ah, ça c'est relou, ça c'est très bien joué de sa part. Ça c'est très très bien joué de sa part, attendez, parce que là, il va falloir que je tue. Et ensuite, pour finir, je finirai pas. J'ai presque envie, alors attendez, j'ai presque envie de faire un truc, on va changer de plan, hein. Désolé pour les jugements, mais c'est très bien joué de sa part, ça. C'est très très bien joué, on va plutôt le bouger, on va le tir de barrage. On voit le double tir de barrage même. En gros, l'objectif, c'est qu'il ne nous tue pas sur ce tour-ci. Et que là, quoi qu'il se passe, il va perdre une vita au prochain tour. Et donc, logiquement, décéder. C'est pas si ça suffira. Hein. Il est plus boosté. Il a plus de puissance. Il a plus d'accumulation boostée. C'est aussi ça qui est cool, c'est que les adversaires prennent tellement de dégâts qu'ils ont pas le temps de préparer des dégâts, se protéger, de faire tout machin. Et est-ce qu'on survivra? Bah, la réponse tout de suite. Hein. Moins 900, il nous reste 1600 points de vie. Et qu'une précie peut-être qui nous tue à moins double 800. On va voir. Il va le tenter en tout cas. Est-ce que ce sera suffisant? 633, ce ne sera pas suffisant. Ce sera donc une victoire sur ce combat. Et vous voyez, ce dégât au tout début, il est hyper important. Voilà, pour le coup, le Yop a très très bien joué. Il aurait pu juste mettre une Kawotte devant lui et du coup prendre la sauce au prochain tour et perdre. Il a quand même fait des tours qui m'embêtaient beaucoup. Mais bah, ça n'a pas suffi. Hein. Regardez, non boosté, on lui met des petits moins 1000. C'est la victoire. Non, je l'aime bien, Scra. Franchement, je l'aime bien. Le mode est assez cool. On est contre un sacré... Oh là là, alors là, écoutez, on est contre un sacré... Je viens de voir, hein, 27% et 3900 points de vie. Il va pas résister longtemps, ce sacré or, je vous le dis, moi, je vous le dis. Une épée, ok, pourquoi pas. On a la maîtrise d'armes, ok. La maîtrise d'invocation, pardon, bah, pas vraiment maîtrise d'armes. Il s'avance pas mal, hein, il s'avance assez dangereusement même, j'ai envie de vous dire. C'est très dangereux, là, son épée dansante et tout. Comment je peux faire pour le... Le ralentir, je ne peux pas. J'ai peur qu'il vienne directement me chercher. Ah, on est abonné au no crit ici, hein, ça vaut... On a une chance sur deux, hein, sur chacun des sorts. C'est pas grave, vous savez, no crit, no need crit. C'est quoi les crits dans ce jeu? C'est rien du tout, les gars. Le problème, c'est qu'il va passer de l'autre côté du mur, et ça me plaît pas. Je veux pas que tu me tapes, me tape pas, s'il te plaît. Après, si, bon, il est en ligne de vue, vas-y. Tu peux me taper. T'as de la chance, hein, je te laisse me... Attends, je peux le tuer en un tour, vous pensez? Attends, est-ce que je peux le tuer là? Est-ce que c'est possible de le tuer, vous pensez? Est-ce que vous pensez que je vais le buter là? Bah, sur le papier, oui, parce que je fais 1400 x 2 plus un dégât, mais après, le problème qu'il y a, c'est que. On est pas sûr, rien n'est jamais sûr. Moins 1400! Allez, moins 1100, s'il te plaît, petit crit! Merci! Et ensuite, bah, 583, est-ce que ça tue? Ça peut tuer! Non, il faut crit, monsieur! Bah, non, c'est bon, je peux faire ça! Bah c'est gagné, c'est gagné, merci à tous. Allez, à la prochaine, hein. Merci Sacrier d'avoir atteint, d'être arrivé jusqu'à moi. Félicitations, et pour fêter ça, eh bien écoute, tu es mort. Voilà. Voilà. Bon, et si... Écoutez, voilà, on gagne pas dans toutes les circonstances, ok? Mais il y a quand même des combats assez marrants avec ce stuff, qui est un peu débile, il faut pas se le cacher. Si le Sacrier il avait hésité un tour de plus, il serait mort presque à travers les murs. Salut YouTube, on est contre la ville de Montréal. Ce qui est plutôt pas mal. On va essayer de lui mettre un max de dégâts, forcément. Je n'ai pas pris la flèche complice, bien que j'aurais peut-être dû contre l'Hélio. Mais bon, je pars du principe qu'il doit s'avancer. Souvent, j'ai peu de résistance. Les gens font des... Enfin, le but, c'est de pousser la personne à l'erreur, hein, bien sûr. Et s'il se met derrière ce petit truc, on devrait avoir une ligne de vue. Je dis bien, on devrait. On a 5 PM, n'oubliez pas. Ceci dit, on a besoin de se booster. Donc, je vais peut-être pas forcément le taper. On a besoin de se boost. Hein. Non, j'aurais dû tir critique d'abord, mais c'est pas grave. On peut ne pas crit, même sortir critique, donc c'est pas un souci. Et je vais sûrement mettre une carotte sur son portail pour éviter qu'il vienne m'embêter. C'est un tour qui est plutôt sympathique, je vais le mettre dans le coin. Et ensuite on est bon. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous tape pas sur ce tour-ci ou qu'il s'avance. C'est à nous de voir. S'il s'avance, je peux le taper direct, donc la vie est belle. S'il s'avance pas, eh bien je peux... Enfin, s'il ne tape pas surtout, je peux, grâce à mon Dofusocre, avoir l'acuité absolue plus des dégâts. Ok.
qui peuvent être très très bien amenés. J'aurais bien aimé qu'il reste en ligne. Est-ce qu'il peut me taper là? Il peut pas me taper, attends. Si, pour placer, il va mettre double portail. Oula, ok. Attends, je peux le taper là comme ça? Me dis pas que je peux le taper. Non, je peux pas le taper. On peut acuité absolue, hein. Est-ce que j'ai la ligne de vue pour pouvoir aller jusque là-bas? Dites-moi que oui, est-ce que je peux le juger? Ça c'est pas cool. ça c'est pas cool le jeu vidéo. Je pourrais le taper avec autre chose ou pas? Non, je peux seulement le juger. Je peux le juger et lui retirer ses PM. Bah, c'est parfait, c'est un très bon tour ça. Allez, acuité absolue. On va le juger, désolé pour les petits dégâts, hein, seulement du moins 1000 sur ces 31%, mais en même temps... Bah ouais, je suis désolé. Hein. Voilà, seulement du moins 2000 avec une petite flèche. Et on a ce qu'il faut, un peu de rage, je peux comprendre, ce sort n'est pas très agréable, je vais pas le cacher. On va se cacher un peu de son portail. Il a plus que 1600 points de vie, mine de rien. Et imaginez si j'avais, parce que je rappelle, flèche de jugement, ça tape en fonction de mes PM utilisés. J'ai utilisé un de mes PM et j'en ai que 5. Ok, donc, mes dégâts pouvaient être plus hauts sur ces 31% de résistance. Il va mettre un porto, il va nous taper, mais est-ce qu'on serait pas capable de le finir là dès maintenant? Je ne sais pas. Ouais, il va mettre très cher, hein. il va piquer moins 1200 forcément, et il va se soigner. Plus fermer le popo, pourquoi pas. Attends, il m'a laissé une ligne de vue là? Non, je crois que j'ai... Oh, j'ai un doute, je crois pas que j'ai la ligne de vue en mode... Après, je peux venir ici, le taper en le repoussant, je pense que d'ici j'ai forcément la ligne de vue. C'est possible aussi, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, on va pas se le cacher, c'est pas ouf. Le repousser x2, je pense que c'est faisable, mais j'ai un petit doute. Je peux pas lui mettre de coup de cac si je vais lui mettre un coup de cac du coup. Hein. On va faire maîtrise, coup de cac, plus un dégât. Ce sera très bien, c'est du moins 1000. Et est-ce qu'on peut achever ses souffrances? Il a un poison, hein. S'il a pas de Dofus argenté, ça a pas l'air d'être le cas. Ce sera la fin. Petite victoire contre cet héliotrope, les dégâts qui auront fait la différence. Et vous voyez en fait, en gros, si la personne choisit de prendre son temps, elle a peur en fait de nos dégâts, et eh bien elle va pas nous faire de dégâts, et donc elle va mourir aussi. C'est 2 win conditions possibles avec ce stuff, et souvent c'est assez marrant. Ceci dit, je vais pas vous le cacher, c'est très très dur à jouer, c'est très très dur de tomber, il faut éviter les pre-tech, bien que là avec la pre-tech... Il a pris du 45 sur 700. Non, la pre-tech aurait sauvé, je pense. Bon, le match était pas fini, mais la pre-tech aurait sauvé, je pense. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Et le mot de la fin demandé par Twitch, ce sera Zigoto. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.